Salut à tous, petit article sur automobile propre concernant la future Nissan Leaf avec 4 roues motrices et une version bien boostée au niveau motorisation. Cette nouvelle architecture chez Nissan prend place dans une Leaf i+, le temps sans doute d'effectuer les tests de validation avant l'implantation dans le futur SUV 4x4 Ariya, dont nous ne connaissons pas encore le programme de commercialisation. Le groupe motopropulseur de cette Nissan Leaf i+ DC est composé de deux moteurs électriques haute puissance respectivement placés à l'avant et à l'arrière du véhicule. Donc, ils développent tous les deux en même temps 227 kW quand même. Ce qui nous fait quand même 305 chevaux environ pour un couple de 680 Nm. Des chiffres à comparer par exemple avec la modèle 3 Longrange à motricité intégrale, 258 kW de puissance, 527 Nm de couple. Donc là, c'est vraiment une Leaf surpuissante hein, qui nous prépare. Enfin, je ne sais pas si elle sera commercialisée, mais ce serait pas mal pour le coup. Sous l'apparence d'une Leaf sont embarquées les nouvelles technologies que le constructeur japonais réserve à sa prochaine génération de véhicules électriques. Cette dernière devrait comprendre une version commercialisable du concept Ariya, dont j'ai déjà parlé hein, sur la chaîne avec deux vidéos. Contrôle du châssis. Donc, pour Nissan, l'emploi de deux moteurs ne se limite pas à doter ses futures voitures électriques de la motricité intégrale. Associée à divers dispositifs de contrôle du comportement du châssis, cette motorisation apportera un surplus de confort et de sécurité. Pour faire court, les mouvements de caisse dans les virages sur chaussée déformée lors des freinages seront gommés. Concrètement, en partie grâce à la décélération régénérative disponible sur les 4 roues, les passagers d'une voiture ainsi équipée seront peu ou pas projetés vers le pare-brise lors des phases de ralentissement. En virage serré, même sur route mouillée ou enneigée, le conducteur arrivera à mieux contrôler la trajectoire, le véhicule virant potentiellement plus près de la corde sans mouvement exagéré de la caisse. D'ailleurs, là, il teste sur chaussée humide, hein, donc. Vice-président directeur de la recherche de l'ingénierie avancée chez Nissan, Takao Azami, assure que l'architecture à l'œuvre dans la Nissan i+ DC va permettre de réaliser un saut considérable en termes d'accélération, de performance au virage et de performance de freinage, à égalité avec les dernières voitures de sport. Alors, il y a même l'intérieur avec un bel écran et tout là. Grâce à un pilotage fin de ces quatre moteurs qui distribuent de façon différenciée le couple et la force de freinage aux quatre roues, le véhicule se fait à la fois plus réactif et plus doux. Ce nouveau comportement du châssis est de nature à réduire le risque de mal des transports et le sentiment d'inconfort associé. Cette Leaf DC revêtue pour les circonstances d'une robe plus sportive embarque un système de contrôle visuel du comportement du véhicule dont les données calculées en temps réel s'affichent sur un écran 12 pouces monté au centre du tableau de bord et communique ces informations via une interface graphique épurée. Un affichage personnalisé permet au conducteur de comprendre les mouvements imprimés au véhicule et d'évaluer les performances de la technologie de commande intégrale Nissan. Donc zoomons un peu sur ce bel écran là. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors s'il pouvait nous sortir une Leaf comme ça pour le coup, 4 roues motrices avec 300 chevaux, la batterie donc serait toujours de 62 kWh du coup, à moins qu'il augmente un peu au passage aussi, mais je pense pas qu'on puisse rentrer beaucoup plus dans la voiture pour le coup. Mais pourquoi pas, là, elle a une belle gueule agressive et tout. J'aime bien, j'aime bien. Donc à voir hein, si vraiment ils sortiront une Leaf comme ça ou alors s'ils travaillent pour le futur SUV Ariya là. Est-ce qu'ils laisseront tomber la Leaf? Moi je pense pas quand même parce que c'est quand même elle est quand même là depuis 2001 la Leaf 2011 pardon. Donc ouais 2001 ça fait un peu loin. Non elle est là depuis 2010-2011 la première Leaf. Donc je pense pas qu'ils abandonneront ce modèle. Mais s'il y a une Leaf 3 un jour qui sort, bah, elle aura sûrement le 4 roues motrices, hein, clairement, avec une plus grosse batterie et pourquoi pas des perfs comme ça pour concurrencer Tesla. Bon, encore une fois, par contre, on remarque que c'est un peu la course à la puissance, quoi. Mais bon, voilà. Après, il faut bien concurrencer le géant américain de la voiture électrique, j'ai envie de dire. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir sur cette petite actu en espérant que, bah, ils nous sortent une Leaf comme ça dans les prochaines années. Ciao tout le monde!